Bonjour, nouvelle vidéo, présentation de la box Le Boudoir du mois d'août. Le thème, ce mois-ci, au pays des merveilles. Ça doit vous parler un petit peu. Normalement, je dis bien, au moment où je filme cette vidéo, tout le monde est censé avoir reçu sa box. Sauf les personnes qui m'ont demandé de l'envoyer fin août pour leur retour de vacances, mais sinon, normalement, c'est ok. Je pense très sincèrement avoir bien respecté le thème, je me suis mais éclatée à faire cette édition, cette box. Bon, ça m'a pris un temps fou, hein, je vous le cache pas. Il y a deux éléments notamment que j'ai moi-même personnalisé, customisé façon boudoir. Et ça m'a pris un temps monstrueux. Mais franchement, le résultat en valait vraiment le coup. Alors, toujours pour rester dans le thème, je vous présente en fait le cadeau de la box Gold qu'une abonnée parmi vous recevra. Tiber Édition. C'est un magnifique livre illustré, c'est vraiment une nouveauté, hein. Alice au pays des merveilles. J'ai mis le petit nœud, je trouvais ça plus mignon, je vais le retirer pour quand même vous montrer un petit peu rapidement l'intérieur. C'est un livre collection de cette marque. Tiber Édition se consacre à la redécouverte de beaux livres illustrés, principalement des romans, mais il y a aussi des carnets, il y a des tote bags. Alors déjà, je vous montre la jolie couverture. Donc cet ouvrage présente le texte intégral de Lewis Carroll, traduit par Henri Parizeau et illustré par Nathalie Novi. Je vous montre très rapidement. Franchement, c'est un très joli cadeau. Évidemment, si vous allez sur leur site, vous allez voir, il y a tout un tas de différents ouvrages en fait. À l'intérieur, il y a une trentaine de peintures et de croquis illustrés. Et on va retrouver Tiber Édition dans cette box avec deux articles. Les fameux deux articles que j'ai customisés. Et pareil, je le rappelle, si vous voulez faire un petit tour, vous allez en barre d'infos, tout. Les liens sont répertoriés. La box avec son flyer, il me semble que je vous l'ai montré hein, dans un vlog. Voilà, comment il se présente. Au pays des merveilles, de plus loin et de plus près. Et au dos, comme d'habitude, le descriptif. Pour juillet-août, j'ai mis un papier un peu plus coloré, donc le papier framboise. Et dès septembre, box qui est en commande, là, dès maintenant, septembre sublime. Eh bien, on retournera au papier classique boudoir blanc avec les petits points noirs. Est-ce qu'on est parti pour la découverte? Donc, comme je vous disais, j'ai vraiment essayé au maximum de respecter le thème. Parfois, c'est pas évident. Parfois, j'essaye juste de faire une ambiance. Et parfois, j'essaie vraiment de coller. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas mal réussi. Donc, je vais commencer par les deux articles Tiber Édition. On a donc, pour commencer, je pense, le tote bag le plus ravissant de l'univers. Voilà, il est ici. Donc ça, c'est la partie que moi-même j'ai customisée avec un petit nœud et une pampille. Alors on a plusieurs modèles. On avait des rubans satin dans différents coloris, toujours dans les tons roses, mais plus ou moins dégradés. On avait une pampille un peu plus dorée, de toute façon je vais vous montrer. Et c'est donc le tote bag. Ah, je me recule. Alice au pays des merveilles. On retrouve la petite citation. Vous voyez en fond, on a le lapin. Sur l'eau calme, voguant son trêve, dans l'éclat du jour qui s'achève. Qu'est notre vie, sinon un rêve. Lewis Carroll. Et donc ce petit tote bag que j'ai moi-même utilisé cet été, il a fait fureur. Tout le monde m'a demandé, mais il vient d'où? J'aime trop. Bah oui, forcément. Attends, je me mets comme ça. De toute façon, je vais vous le montrer également. Je l'ai accroché là dans le salon. Donc avec un modèle un tout petit peu différent au niveau de là. C'est un tote bag qui coûte 10 euros. Et pour aller avec, écoutez, je vous ai mis non pas un marque-page, mais deux marque-pages évidemment du même thème que j'ai évidemment customisé. C'est-à-dire qu'initialement, il s'agissait de marque-pages rectangulaires, comme ceci. Et moi, je me suis dit, non, tu vas pas les laisser, tu vas faire comme ça. C'est trop beau, donc j'ai fait mon petit poinçonnage et j'ai rajouté le petit nœud parce que je trouve que ça fait toute la différence. Lui aussi, hein, il a eu du succès. Et également celui-ci avec le lapin. Voilà, les deux jolis marque-pages. Et derrière, pareil. Tous les livres qu'on peut retrouver en fait chez Tiber Édition. On a Orgueil et Préjugés, Les Hirondelles du Kaboul, Monsieur Dalloway, Persuasion, Jane Eyre, Raison et Sentiment, Roméo et Juliette, Le Portrait de Dorian Gray, Les Odeurs le Vent, Madame Bovary, Dracula, Les Quatre Filles de Dr. March, Une Étude en Rouge, Emma, 24 Heures de la Vie d'une Femme, Le Château et la petite nouveauté, parce que vraiment là c'est tout nouveau,
Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà pour, on va dire, le premier article, les premiers articles que j'ai, que ce n'est, j'en ai fait 300, ouais à peu près, 300, plus de 300. On continue avec une marque que je vous ai déjà glissée, c'est il y a un petit moment, il y a peut-être plus d'un an, c'est la marque Shigeta Paris. Excellente marque. C'est donc une marque française de cosmétiques bio qui offre en fait le meilleur du savoir-faire japonais en cosmétiques et bien-être. Et on sait qu'au niveau des cosmétiques, les japonais, c'est pas mal du tout. Ce soin que je teste depuis bien 2 mois, que je mets, on n'est pas obligé, mais moi je préfère, hein, en plus là il a fait chaud, hein, forcément dernièrement. Il s'agit d'un Hydro Repair Eye Serum. Il y a marqué sérum, mais en fait, on l'utilise parce que normalement, un sérum, tu le mets avant ta crème. Mais là, en fait, il se suffit à lui-même. Je le mets au frigo et regardez un petit peu. C'est vraiment une technologie au niveau du design inspirée de la chirurgie esthétique. Allez vous voir. Voilà, on le voit bien. Donc ça, c'est un petit tube. Comme ça, il en contient pas mal. Hein. Et on a l'embout. Voilà. Là, c'est hyper net, super. C'est que des agents naturels. Il y a de la camomille, je vais vérifier mes camomilles sûres. Qu'est-ce qu'on a aussi à l'intérieur? Hyper Repair Eye est enrichi d'une synergie aromatique, c'est ça, d'huiles essentielles relaxantes, l'immortel à l'intérieur, le géranium et la camomille. Grâce à une combinaison judicieuse de techniques et d'actifs novateurs, ce contour des yeux va venir nourrir et hydrater tout en réduisant les cernes et les poches. Il active également la circulation pour un effet lissé, lifté et lumineux. Alors bien évidemment, hein, la petite technique, moi je mets comme ça, hop, hop, pas trop près non plus parce que ça remonte, mais tout le contour, je fais des petits mouvements circulaires. Essayez quand même de le mettre au frigo, vous allez voir la différence. Et c'est quand même un soin, attention, qui coûte 49 euros. Quand même. On continue avec le bijou de la marque Atelier Malou. Regardez le graphisme. Je trouve qu'il y a un petit côté Alice, un petit peu féerique. Le bracelet Alice, évidemment. Dans le petit pochon. Alors, ce bracelet coûte 34 euros. Je vous l'avais mis en spoiler, hein, sur le site. Tous les mois, je vous mets un article. Enfin, parfois non, mais en règle générale, je vous mets l'article, un des articles révélés. Il est donc en acier inoxydable. Je vais vous le mettre plus près. Vous avez vu le dégradé de bleu. On a aussi la petite bille dorée qui fait toute la différence. Le fermoir, pareil. Ce sont donc des petites pierres semi-précieuses en amazonite, qui sera évidemment du plus bel effet cet été, notamment sur les petites peaux un peu légèrement hâlées ou bronzées. Moi, j'ai pas la peau, je me suis pas exposée cette année, tu me diras, je m'expose jamais. Voilà, oh, en plus, tout, il est très pratique à mettre, vous voyez, je l'ai mis en 2 temps, 3 mouvements. Pareil, en accumulation, il doit être très sympa. Je passe à la gourmandise. Je voulais trouver quelque chose de mignon. Dans Alice au Pays Merveille, on voit des grands buffets avec plein de gourmandises, des macarons. Et donc, je me suis dit que c'est ravissante. Il y a 3 modèles indifférents. 3 modèles, je crois. Ces ravissantes meringues gouttes seraient parfaites. Et en plus, voilà. Donc, elles sont en forme de gouttes. C'est donc la marque Louva. Donc, celles-ci, elles sont à la framboise. Ce sont des petites meringues qu'on va venir disposer, notamment sur ces desserts. C'est très joli, sur les coupes glacées en finition, soit sur la chantilly, soit sur des gâteaux. On peut les manger comme ça, évidemment, mais en ornement, c'est ravissant. Celles-ci, elles sont vanille. Lovée au pied des Alpes, la biscuiterie Louvain est avant tout une histoire de passionnés fondée en 1954 par Maurice Louvain. Et on retrouve d'ailleurs la petite photo d'époque. Il y a également myrtille. Donc les petites boîtes de meringues coûtent 4 euros. La plus jolie des meringues se trouve dans cette boîte. C'est pas faux. Sublimez vos créations, coupes glacées, pâtisseries, avec ces mini meringues blanches ou colorées, voilà, en forme de gouttes qui apporteront une touche élégante. Un produit d'exception sans amidon. Fabrication Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà pour l'ensemble des articles de cette édition. J'espère en tout cas que ça vous aura plu pour les personnes qui l'ont reçu. Pour les personnes qui découvrent en fait durant cette vidéo, dites-moi si vous trouvez que le thème est respecté. Et comme je vous le disais en tout début de vidéo, ne loupez pas l'édition qui est actuellement en cours, l'édition de septembre. Vous allez avoir notamment un sublime bijou.
mais vraiment très très tendance, je n'en dis pas plus. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Salut!